Salut la compagnie. Allez, on fait ça en cœur pour l'événement de la rentrée. On a eu en avant-première, c'est Tripac. Je ne dis pas comment. Après, si vous voulez savoir, je vous le dirai, mais il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on va voir et découvrir cette nouvelle série tout de suite après l'intro. Nous voilà, allez, déjà, vas-y, aide-moi, on fait voir les promos. Donc, plus, oui, du le coup... Gigas, non, mais on s'en moque, le petit Spiroli, c'est pas un oui, gros. Il y avait un petit Spiroli, là. Hop, s'il te plaît, on peut voir l'autre, le Régigigas et le Dimoret, pas mal, j'aime bien, moi, perso. Après, je suis pas fan de Régigigas, mais bon. Et le fameux jeton, donc un palartichaud de Galard, a priori. Pour les illustrations, Noran il a pris un booster de chaque et puis il voulait, ça lui suffisait. Donc on a tiré à courte paille, entre guillemets. On a fait un pierre, feuille, ciseaux plutôt. Et voilà, donc un petit garde-voir, le Giratina. D'ailleurs, on n'en a qu'un seul Giratina. Je sais plus, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle Zoruar. Zoruar d'ici, merci. Et celui-là, encore pire, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc c'est, on le retrouve dans Dark Fantasma de mémoire. Donc voilà. Tu commences par quoi? Je vais voir lequel. Attends, c'est... Bah, je vais commencer par celui où tu souviens un peu le nom. Ok, allez. Ah, lui. On va voir, donc. J'espère qu'ils ne vont pas renouveler l'histoire du spoil, mais je n'y crois pas. On va bien voir. Allez. De toute façon, il faudra ouvrir deux boosters. Ah, bah voilà, donc... J'allais dire, il faudra ouvrir deux boosters sur ça. Après, ça pourrait être que des blancs aussi. Hein. Ouais. Les cartes sont un peu plus épaisses. Je sais pas, c'est peut-être moi. Allez, vas-y, mets ta main, ta mémine. Moi, je t'aurais plus dit, les cartes sont plus compactes. Allez, énergie haut. Parce que je sentais bien le booster compact. Chimera, d'accord. Donc, la dresseuse qu'on a vue, bah, c'est la dresseuse de ce fameux Pokémon. Spectrum. C'est Piatrop. Barbantua. Un truc, mais je vous explique pas. Brocéland. Moi, j'ai rien vu. Makuta. Dynavolt, et il peut y avoir des radieuses à Roselia. Et j'ai cru voir un truc. Lamantine, et pour info, le petit, on a sur cette série, on va avoir 196 cartes, qui est de plus en plus courant hein, sur cette série, et le symbole, le voilà. Ok, bon, bah écoute, pour l'instant, on commence doucement. Doucement, doucement. Allez. Très, très doucement. Ouais. Ils sont très. Sont très collés. Allez, s'il te plaît, un tonne noir, pour le coup. Non, toujours pas. On va éviter, ben, on va éviter les spoils, hein, de toute façon. Voilà. Allez, vas-y. N'oublions pas les radieuses. Il y a quand même deux ou trois radieuses, peut-être même plus, hein, sur cette série, je sais pas. Donc, ils sont à la place de la reverse. Ville perdue. Coléodome. Ok. Et Lionceau. Fantominus que j'aime beaucoup, et quand il y a des trucs, il faut pas trop... Quanton, bah, Zoruar d'ici, très sympa, aussi. Quand c'était Zoruar. Opermine, que je suis pas plus fan que ça. Oh, Polichon, très sympa. Et derrière, on sait qu'il y a rien. Bah, on retrouve le Lamantine. Bon, bah déjà, deux boosters identiques. Allez, pause. Oh, je sais pas ce que tu fais. J'étais en train de voir l'épaisseur de la carte. Il est déjà... Il est fatigué de sa journée. Il était à la mer aujourd'hui pendant que. Avec papy et mamie. Allez, hop, s'il te plaît, un code noir. Je ne veux pas allumer les codes, mais, les paquets, mais je trouve que c'est un peu dur à ouvrir. Au moins, il y a l'histoire des spoils. Hein. Ouais. Et ben là, au moins, on aura un code noir. Donc, au moins une holographique. Mais il y a l'histoire des spoils. Oui. On a compris maintenant. C'est pas grave. Allez, on va voir. Espérons qu'on a quelque chose sur. Je suis dégoûtée qu'il y a l'histoire des spoils. Allez, remets-toi comme il faut. Pire histoire du monde. Ouais. De Pokémon, je veux dire. Énergie cadeau, bizarre. Et j'ai vu un truc à la fin, c'est notre. Oui, vide perdu. Noir. Moi, j'ai vu autre chose. Oui, je vois autre chose. Au permis. Je vois autre chose. Cornem. Chenipote. Ça a l'air très beau. Très beau. On sait jamais, la Giratina. Excellent. C'est surtout celle alternative. Encore derrière. Machopper. C'est une foulard. Oh, Marcia en rainbow. Et ben voilà, je l'ai pas, donc cool. Parce que j'ai quand même ouvert un peu en japonais, mais voilà, super. C'est surtout l'eau qui va aimer.
je pense. C'est mon frère Olo qui va aimer, ouais, effectivement. Donc pour l'instant, Neural s'en sort bien. Avec le booster qui était dans l'autre tripack. Oui. Et ce tripack, pour l'instant, nous a rien donné. Donc on espère qu'il y a aussi quelque chose sur celui-là, sur le Giratina. J'espère que je vais avoir encore un truc, oui. On l'espère aussi. Allez. Allez. Un peu noir, déjà, c'est pas mal. Déjà, ça annonce au moins une Olo. Exactement. Allez, hop. On va faire le petit truc. Et n'oublions pas, on peut en avoir deux cartes par booster, ce qui est pas mal. Depuis quelques temps, ils nous font ça. Je trouve ça vraiment très sympa. Roseran. Oh, le Caninos prend le temps sur certaines cartes quand elles sont sympas. Hein. Parce que les gens découvrent la série comme nous, quand même. Excellent. La Ligue Magma que j'aime pas. Ah, Mélo fait une petite tuerie cette carte. J'aime beaucoup. Un cap humain. Un peu dans le même style d'ailleurs que Mélo fait. Oh, Radieux Célix. Trop bien. Oh, c'est Shiny. Ouais, c'est Shiny. Et doucement, je crois que j'ai vu quelque chose. Oh, Magnézone. Eh ben, très beau booster là. Waouh. Franchement, j'adore la Célix. Ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment stylée. Bah, pour le coup, autant moi je l'ai beaucoup aimé en japonais parce que les bords sont vraiment plus sympas. Ouais. Autant là, avec le fait que c'est un Pokémon doré avec le contour jaune, ça ressort bien. Mm. Ça ressort bien. Donc, bah, cool. Déjà, un très beau début d'ouverture. J'espère que je vais avoir autant de chance que toi et que t'as pas tout gardé comme d'habitude. Ouais. Oui, surtout que t'as un booster de plus. Hein. Oui, surtout que j'ai un booster de plus. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, on switch. Deuxième partie de vidéo, là c'est un autre tripack. Il y a du Giratina. Ah si, il y en a un deuxième Giratina, tu vois. Allez, on va ouvrir celui-là. Pour la fin. Mmh. Garde-nous voir, nous porte chance. Moi, c'est un c'est un chouchou, garde-voir. En dehors des Evoli, c'est ce que je fais comme Pokémon aussi en ouverture. Enfin, en carte, en collection de Pokémon. Un code blanc pour l'instant. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des radieuses. Il paraît qu'il y a un super Alakazam. Je pense qu'il est dans cette série. Enfin, il est dans celle qui sort en japonais. Mais il y a de grandes chances d'être en même temps dans celle-ci. Alors, j'ai l'impression que les codes noirs ont grandes chances d'être chanceux. Aspirateur perdu, ça me dit quelque chose. Elle est en gold, celle-là. Et Lionceau. Punissir, je ne raffole pas. Blizzy. Rhinocorn. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu en japonais. Le cap humain de tout à l'heure. Et non, Tartare. Comme ça doit être une... Ouais, c'est une rare. Une rare et un frison. Une rare reverse. Ok. Allez. Zoroark. Espérons un code noir parce que comme je t'ai dit, ils sont plutôt chanceux. Bah, espérons, ouais. Ah, code noir. Bien. C'est égal de la chance assurée. Allez, au moins Olo. Ouais, au moins. Énergie Psy. J'ai vu. Portail Mirage, j'espère. J'ai la Chimera. On pourrait faire une super truc des débuts, hein, on sait jamais. Hein. Moi, je veux bien l'alternative. Hein. Il y a des alternatives en pagaille. Bon, du trou, du noir en plus. Oh là là. Et j'étais en train de voir, regardez comment c'est coupé le bas. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. C'est haché 4 heures. Lipoutou est derrière à une star. On met la même. Ah là là, c'est pas ma préférée des stars, hein, quand même. Hein. Ouais, des stars. Qui serait content au moins. Bon après c'est ouais voilà c'est un hit donc déjà vous voyez sur deux tripacks là c'est le dernier tripack sur deux tripacks et bah écoutez hein, on va pas se plaindre c'est un super hit. J'espère que le reste sera aussi beau. Voire même mieux. J'ai une qui est mieux cadrée déjà. Et je pense que c'est celle-ci. Celle-ci elle est tout proche, la vie celle-ci elle est un petit peu moins. Allez, le garde-voir. Un code noir. Allez, on cesse encore de la chance. On fait une petite ouverture de folie là, ce serait tellement beau. Ouh, on continue. Ouh, j'ai vu du noir. T'as vu du noir. Après, ça va pas être qu'une simple EV. Hein. Oh, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Et des... Oh, bah, j'adore cette hypocéan là de l'illustratrice Sui. J'aime beaucoup. Ça peut être un VMAX aussi. Oui. Je crois qu'il n'y a qu'une ou deux VMAX, donc on verra bien. Donc c'est toujours cool d'avoir une Mucuscule. Blindalice.
Et donc une petite V. Ah bah là. Alors voilà, on sait le Pokémon. Il s'appelle Amovenus. Amovenus. Bon, bah écoutez. Amovenus, bienvenue. Voilà, voilà. Je ne connaissais pas. Bah, moi non plus. En tout cas, on sait qu'il est de type psy. Oui, c'est un Pokémon. J'ai cru qu'il était de type ferme, mais... Allez, un autre code noir. Oh là là, cool. Franchement... Attends, ça va peut-être être une holo. Hein. Allez, électrique. Bah, pour l'instant, j'aimerais plus hein, qu'une holo. J'aimerais plus qu'une holo, moi. Pareil. Hypocéan 2 tout à l'heure. Une gold. Oui, pourquoi pas. Et puis je sais pas. Ou alors une Giratina. Ouais, voilà, Giratina alternative. Elle est tellement belle. Cap humain. Après, là, je suis pas Mimigal. Ah, bah Mimigal en river, ça c'est sympa. Et derrière, une simple V de Draskor. Ok. L'évolution de Drapion. Bon, bah déjà, deux petites V, c'est toujours pas mal. Hein oui. On aimerait toujours avoir des drops. Alors, je sais pas si les drops seront toujours aussi bons que ça. Mais bon, c'est déjà, ça fait déjà plaisir. Allez, un petit code noir pour finir. Et oui, cool. Le Giratina, comme ça, un booster Giratina. Ah, autant, on sait jamais, ouais. Autant avoir la Giratina. Allez. Énergie plante, pour pas se planter. Dodo Ala, je ne l'avais pas encore vu. Cartus, Archéodon, Simularbre, Dynavolt, Love Disc, Scorpion que j'aime pas, Chenipot qui est plutôt funny. Oh, ça c'est une rare holographie qui est derrière peut-être quelque chose d'autre. Et ben une holographique de Charmillon. Normalement, ce sera notre première holo graphique. Ouais, voilà. Donc, première holo. Eh ben écoutez, les amis, ben, j'espère que cette petite découverte en exclusivité vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On a d'autres ouvertures, plein de choses qui arrivent. En plus, on arrive bientôt aux 1000 abos, donc il faut vraiment nous soutenir. On se retrouve très vite sur la chaîne. Allez, ciao! Bye bye!